Vous avez aimé Incident Kanbei? Et si on recommençait? Ok, j'espère que non, mais quand même. Ah, cependant, donc bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Advance Wars. Dans le premier épisode, nous avons réussi à passer le premier test de Sonia pour Max. Et dans celui-ci, nous allons devoir passer celui qu'elle a prévu pour Samy. Comme elle le dit, c'est génial. Donc les forces semblent être relativement similaires. Nuance étant, bien entendu, à le brouillard de guerre toujours, mais de toute façon, c'est Sonia, c'est normal. Je peux aussi ajouter, c'est la campagne expert, c'est normal. Donc, nous possédons des forces relativement costaud, mais mon objectif va être de vraiment protéger mes troupes. Genre, vraiment. Donc, à l'inverse de ce que j'avais fait la première fois, on va envoyer le tank M. On va envoyer le tank M. Et un bazooka ici. Avec le tank MA, le bazooka ici. Bien entendu, le bazooka, objectif, capturer ça. Le tank M planqué. Pour que si jamais on se fait défoncer la tronche, que ça soit pas trop violent. Lui, on va le mettre en plongée juste ici. Lui, on va le laisser là. Je pense. On va envoyer un tank et un fantassin. Le tank en haut. Ah! Bon, au moins, schlack, quoi. Et schlack. Voilà. Bien sûr, bon, s'il attaque le fantassin, je suis refait, mais voilà. L'objectif étant, bon voilà, la dernière fois quand j'avais fait ça en mission normale, j'avais envoyé le tank au nord pour découvrir qu'il n'y avait rien. Et j'avais eu besoin de force au sud pour tenir le fait qu'elle m'envoyait 500 gus par là. Et j'avais du mal à suivre. Donc cette fois-ci, je m'étais dit, tiens, je vais inverser les rôles, mais il faut croire que c'était peut-être pas une bonne idée. Donc on va faire comme ça. On s'en fiche de vous. Donc bien entendu, elle a déjà un truc parfaitement placé pour m'atomiser dès le départ. Frustrant, mais prévisible. Donc lui va mourir, mais son tank M va mourir aussi. Donc je suppose que perdre un tank pour détruire un tank M reste valide. Faut juste pas que mon infanterie meure. S'il vous plaît. Donc voilà son cuirassé. Ok. Alors, déjà, donc, pour me toucher mon tank avec un lance-missile, considérant que l'IA planque toujours, bien entendu, ses forces dans les bois, donc le lance-missile peut être ici, il peut être là, mais ça m'étonnerait, parce ça serait trop sympa pour eux. Il peut être ici ou il peut être là. Déjà, de toute façon, ça, c'est sûr. Parce que je peux pas lui laisser un cuirassé qui se balade dans tous les sens. Toi, t'atomises ça. Samy au moins n'est pas affaibli sur l'indirect et il faut absolument que je gère son tank M au nord parce que j'ai rien d'autre. On m'accra qu'elle a déjà une infanterie sur place aussi, ce qui n'était pas le cas en normal, ce qui est très cool. Ce qui est très cool parce qu'en plus ça lui donne la possibilité de gagner sa carte plus facilement. C'est vrai que j'ai pas regardé. Il lui manque 6 trucs. En normal, je ne pense pas qu'ils aient changé. Elle avait donc très certainement 2, 3, 4, 5, 6. Bah, enseignement. 16 bâtiments. Donc elle a déjà 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il lui faut, 2, 4 et 2 ici. Donc il faut absolument que je l'empêche d'en capturer davantage, sinon j'ai perdu. Quelle surprise, on me dirait. Donc on va envoyer bien entendu toi ici. La barge, elle va... toi, de toute façon, tu vas revenir ici. La barge, elle va revenir ici. Toi, tu vas entrer là de même que toi. Toi, tu as commencé à capturer ça. Après tout, tu as des bonus. Toi, tu vas peut-être rester ici dans l'espoir d'attirer quelques coups. Je peux pas dire que j'aime ce genre de tactique, mais... J'ai pas le choix.
On va faire un autre tank, puisque là, mon objectif, ça va pas vraiment être de capturer cette ville. Si je me fais battre là-dessus par le lance-missile, ça signifie qu'il est dans le coin, quoique, bah ouais, mais ça change rien, quoi. Même si je repère le lance-missile, le temps que je place mon cuirassé et que je commence à le détruire, elle s'est vraiment donné un avantage considérable au nord, c'est super nul. C'est en plus la raison pour laquelle j'avais déployé mes unités ici, parce que la dernière fois, quand je les avais déployées ici pour profiter de la ville, bien entendu, elle avait son cuirassé pile à portée pour le dégommer. Ah, je déteste le fait qu'il lui ait donné une infanterie en plus au nord, de sorte que deux en haut et j'ai déjà perdu. Enfin, deux au nord et, elle a capturé les autres de son côté. Bref. Donc elle capture ça, elle m'attaque ça, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Ça signifie que si elle a un croiseur, elle va pouvoir me dégommer mon sous-marin. Et mon croiseur n'est plus capable de gérer ces trucs. Là, elle m'attaque ça, ce à quoi je m'attendais, mais je pars du principe que, voilà, mes bazookas sont capables de tenir, c'est un peu le concept des unités de Samy. Bien entendu, elle avait le croiseur. Et j'ai pas riposté, donc il est coulé. Quelle non-surprise, donc mon... Déteste leur supériorité numérique et tout ce qui va derrière. Vraiment. Bref, au moins... Je peux me débarrasser de ça. C'est relativement crucial parce que sinon c'est moi qui vais perdre tout. Je vais le laisser survivre. Parce que j'ai pas de raison de m'embêter avec. Lui je l'affaiblis un petit coup parce que ça me paraît nécessaire. Toi tu vas te ramener ici. Toi tu... Va nous déployer dans le sens inverse cette fois-ci. Toi, tu captures ça parce qu'un pied à terre peut me servir. Là, rassurez-moi, elle n'a pas la base. Si elle l'a, je hurle. Toi, tu vas rester là pour voir shooter des choses. Toi, tu vas entrer là-dedans. Ou pas. Ou pas, en vérité. Toi, voilà. Eux, je suis obligé de les garder dans le coin. Lui, je le garde planqué là, même si ça sert pas à grand-chose. Parce que je suis sûr qu'une de ses unités va se mettre juste là pour qu'il puisse être détruit. Mais bon. Donc, le lance-missile. Je crois que j'ai pu voir où il était. Bien entendu, il est planqué au nord. Son cuirassé. Ça, c'est pas surprenant. Là, normalement, je m'attends à ce qu'elle fasse battre en traite son sous-marin. Oh, bien sûr, elle en a un deuxième tout neuf. J'avais espéré faire vaguement survivre mon fantassin pour qu'il puisse être régénéré, mais bon, c'est tant pis. Je vais faire des tanks en bas. Salut la barge. Alors... Déjà, je pense que le pouvoir va être claqué, parce que comme ça, ce sera fait. Plus que deux villes et j'ai déjà perdu. Bon, pas grave. Voilà, piège. Quelle surprise. Il couvre tout. Hate that. Donc toi, tu vas attaquer ça. Voilà. J'aime pas beaucoup parce que bien entendu, ça signifie qu'elles vont se faire affaiblir tout doucement mais sûrement. Cependant, voilà, elle a pas la base. Ok. Donc en liquidant cette infanterie, je réduis potentiellement, je l'empêche de gagner normalement. Toi, tu vas exploser. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais je sais pas ce qu'elle a dans sa barge. Et sauf erreur de ma part, si mettons elle a deux tanks M dedans, ça compte que comme si j'avais détruit la barge pour le pouvoir. Mais soyons honnêtes, elle va probablement... Ok, d'accord, elle a trouvé le moyen de me caser en plus, hein. Bon, tant pis. En bas, il va falloir juste serrer les dents, mais je peux pas la laisser prendre possession de quoi que ce soit. Donc, mon tank M va prendre un coup d'artillerie. Sous pouvoir, probablement. Mais... Disons que j'ai pas d'autre option. Mais, on va ramener juste ça. Toi, tu vas te... ramener ici. Et je pense que ça sera déjà pas mal.
Déjà, je pense avoir contesté un petit peu sa supériorité au... là. Et une fois que j'aurai capturé ça... Alors, bien sûr, elle a son cuirassé qui couvre à volonté, mais j'ai deux unités qui peuvent essayer de capturer. Bon, il y a son lance-missile, bien sûr, qui est juste à côté, qui va aussi, mais je préfère me débarrasser, étrangement, de son infanterie, puisque le cuirassé... Oh, waouh, tu vises le tank, pas le tank, quand même. Le lance-missile me ralentit, son infanterie pouvait me faire perdre. Donc là, voilà le cuirassé qui s'y met aussi. Ah non, un autre cuirassé. Pardon, madame en a deux. Mais il me donne un sous-marin et absolument aucun moyen de gérer ses 50... C'est son croiseur. Bon, pas grave. D'accord, mais j'avais le pouvoir, donc je survis, même si c'est pas de grand-chose. Ah, un sous-marin. Probablement le même que la dernière fois, je suppose. Je l'avais laissé vivre pour que, justement, il souffre. Le sous-marin en premier, bien entendu. Ah, c'était celui à 1. Je pensais qu'elle l'a même pas régénéré, cette espèce de gourdasse. La ville. La mécréante. Toi, j'aimerais bien te régénérer, mais le problème, c'est que si je le fais, je vais perdre trop. Je vais prendre trop cher. Donc toi, on va commencer à te tirer dessus. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir lutter contre sa supériorité maritime. Aisément. Et le truc, c'est que quelqu'un ici s'était fait détruire par le cuirassé à 10 PV. On sait pas où il est. Et elle en a un autre qui est ici, qui doit un... Je crois qu'il est là, son autre cuirassé. Oui. Ah, pardon, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bandes de nazes! Il me faut un autre sous-marin, en fait. J'ai pas d'autre option. Bref, toi, on va te essayer de te détruire, je suppose. Du moins, t'affaiblir un bon coup. Toi, tu vas achever ce truc. Comme ça, mon tank à 2 PV va pouvoir potentiellement achever l'artillerie. J'en ai mes doutes, mais on peut essayer. Après, t'as mangé la vision, donc je pourrais achever... Il faudrait sacrifier encore quelque chose pour avoir la vision, je suppose. Mais je pourrais au moins détruire celui à 5 PV. Mais il va me falloir un sous-marin, de toute façon. Lui est trop dangereux. Et il y a des limites avec ce que je peux faire avec un lance-missile. Ici, je vais mettre un fantassin. Cependant, c'est nécessaire. Toi, malheureusement, t'es tellement proche que je peux rien pas ramener ma barge. Toi, t'es... Trop dangereux, tu te barres. Enfin, t'es trop en danger. Et c'est à peu près tout ce que je vois. Donc lui, on va le faire remonter par le nord. Bon, toi, tu t'exploses. Au moins, en bas, c'est sécurisé. Je suis juste inquiet parce que la base au centre... Enfin, pas vraiment la base, mais disons que... Ouais. Oh, bah voilà, bah, je suis content d'avoir mis quelque chose sur cette maudite base. Admirez ça, un autre tank. Et des fantassins. Ok. Donc j'ai l'impression qu'elle a déplacé malheureusement son cuirassé. Peut-être qu'elle a vu que... Ah non. Ok, tu sais quoi, t'as ton pouvoir, déjà tu perds ça. Genre, fais ça, maintenant. Au revoir, bonne journée. Ça fera un truc en moins pour m'irriter. Toi, tu vas te planquer ici, même si c'est pas vraiment une planque, vu qu'à partir du prochain tour, elle va pouvoir nous lâcher un super pouvoir et révéler les forêts et les récifs. Comme si elle trichait pas déjà assez. Toi, tu vas nous faire le plaisir d'attaquer ça. Et de le détruire. On va se faire un tank M en bas, c'était pas vraiment ce que je voulais. Surprise, hein. Mais malheureusement, je peux pas me permettre de lui laisser
son maudit... Je peux pas la laisser avancer. Là, normalement, il lui manque une seule ville. Voilà. Et je peux pas lui permettre, je peux pas me permettre de lui laisser la possibilité de faire quoi que ce soit. Idéalement, j'aimerais pouvoir liquider. Après, je pourrais peut-être risquer une de mes barges, puisque à force, elle commence à quand même à manquer de, je veux dire, son lance-missile peut plus faire autant. Quoique, c'est même pas ma barge que je vais risquer. Vous savez quoi? Allez-y. Voilà. Il me faut des forces au nord pour m'assurer qu'elle va pas se mettre à capturer ces trucs-là. C'est tout. Lui, après, je vais me mettre à essayer de capturer d'autres villes. Il faudra que je ramène lui, là, qui est planqué dans son coin, mais que j'ose pas déplacer, parce que je vois pas ce que ça m'apporte. Et il me faudra une idée pour gérer son maudit cuirassé, qui je sais pas où il est en train de faire quoi que ce soit. Je sais pas où est son croiseur. Ok, c'est ça. Non, mieux vaut ça que mieux vaut le recon que le tank. Oh, elle a ramené un lance-missile. Ok, pourquoi pas. Ok, c'est son tank. J'avais peur que ça soit encore une artillerie ou un truc comme ça. Et je me disais non. Mince, c'est une vraie guerre. Il dirait, c'est normal, ça s'appelle Advance Wars. Donc. Toi, déjà, tu vas me faire le plaisir de te faire réparer un petit coup. Toi, oh, tu commences à manquer de munitions, mon pauvre bichou. Disparaît. Toi, je vais te sacrifier pour... Ouais. Donc il lui reste deux barges. Bon, toi tu vas te mettre à capturer ces villes pour que je puisse avoir un peu de pognon bonus. Toi tu... Voilà, lui il est encore là. Comme elle vient de claquer le pouvoir, je peux me permettre de commencer à l'endommager parce que ce truc m'énerve. Ça signifie que si j'essaye de déployer un sous-marin pour gérer soit ses barges, soit son cuirassé, je peux rien faire. Et en plus ça va révéler des choses que je n'ai pas envie qu'elle révèle. Donc ouais, c'est assez gênant. Toi, tu vas pouvoir te ramener ici. Lui, il a combien de munitions? Il a encore 8. Ok, c'est fichu. On va lancer le pouvoir. Parce que de toute façon, j'en ai besoin. Lui, on va le faire battre en retraite ici. Toi, tu vas te mettre là pour dégommer un minimum son tank M. Tu peux l'achever. Merci. Super. Toi, t'es bloqué parce qu'elle a envoyé un flot d'infanterie abruti. On va faire un bazooka ici. Mais je m'attends à ce qu'elle utilise genre son lance-missile qui est probablement planqué ici pour attaquer ça. Son tank pour l'achever. Et une infanterie pour commencer à le capturer. Toi, tu commences à manquer de munitions. C'est pas grave, j'ai la solution. Malheureusement, c'est la seule que j'ai. Ah, si seulement je l'avais descendu un peu plus tôt, j'aurais pu lui ramener là. Toi, de descendre ici, ça m'aurait fait quelque chose pour les prochains tours. Bon, bref. En bas, la bataille est... catastrophe. Ok, d'accord, elle vit ça à la place, qui est mieux. Je suppose qu'elle a plus de sous-marins, j'espère. Ça, c'est son... Ouais, c'est celui à 10. Normal. Donc, on sait que celui à 10, il a porté sur tout le monde, donc ça ne me sert à rien. Mais elle a une artillerie, bien entendu, en prime. Je sais que, bien entendu, je suis obligé de la bloquer en bas et c'est pile à côté de sa base, donc elle peut rapatrier toutes les unités qu'elle veut, mais c'est frustrant. Cependant, bon, je peux toujours aussi l'avoir avec un bazooka flout si j'en ai vraiment envie. Bazooka flout ne va pas faire grand chose contre les 5000 cochonneries qu'elle me sort, dites donc.